Pourtant, on se disait à la mi-temps, l'Ajax a tellement dominé cette première période qu'on avait grand peur pour Rosenborg. Regardez, on va revoir d'abord le but d'Ibrahimovic en première mi-temps. C'est parfait. Trabelsi avec Van der Meij qui remet pour Trabelsi. But d'Ibrahimovic. Alors, on dit c'est parfait. En fait, il y a beaucoup de chance pour l'Ajax. Parce que, regardez Michel, là, on a vraiment l'impression que c'est talonnade pour Trabelsi. Et quand on voit la caméra côté opposé, beaucoup de chance, elle est totalement involontaire. Oui, bon, c'est le génie ça du mec. Mais n'empêche qu'on revient toujours au même système d'Ajax. Vous avez vu, il passe toujours par les côtés. Et donc, ça sera peut-être important pour mardi prochain de se souvenir que l'Ajax construit tout par les côtés. Et Rosenborg se requinque un petit peu en seconde période. Cette frappe de Karadas d'abord qui donne un avertissement. Rosenborg plus présent, qui a la maîtrise du ballon, mais pas d'occasion tranchante. Et c'est au tour de l'Ajax de procéder à la fois par contre et par frappe lointaine, comme celle-ci de Boukari, qui ne rentre pas. On a l'impression qu'elle rentre, mais il manque, regardez, pas grand-chose. Hein. Oui. Toute proche. Et puis l'Ajax qui continue, qui pousse, avec cette fois Van der Meij qui a regardé au centre, le centre pour Ibrahimovic, l'attaquant suédois, comme son nom ne l'indique pas. Ne l'indique pas, oui. Bien joué de la part de l'attaquant, bien joué de la part du gardien. Ah oui, tout est bien joué, le centre est parfait aussi, parce qu'il n'était pas dans des conditions faciles, il coupe la trajectoire du ballon, et puis le gardien fait un réflexe formidable. Il s'en veut, on l'a vu sur cette image, et pourtant à ce moment-là, l'Ajax mène toujours à 1-0, il reste un quart d'heure à jouer, frappe d'Ossam, l'Ajax a l'occasion de breaker, mais ça ne passe pas. C'est une très belle reprise du pied gauche quand même. Hein. Corner pour Rosenborg. Avec un ballon pour la tête de Karadas. Encore une fois, voilà encore un avertissement pour Timmer et pour l'Ajax. Et là, on va entrer maintenant dans les 5 dernières minutes de cette rencontre. Rosenborg qui pousse, qui tente d'égaliser avec un ballon qui ressort, frappe de Johnson et arrêt de Van Damme de la main. Carton rouge logique. C'est bon pour Lyon, ça, mardi prochain. Oui, ça en fera un de moins. Il y avait but. Ils joueront toujours à 11. Ils joueront à 11, sans lui. Pénalty tiré par Ennerly qui marque. Voilà l'égalisation de Rosenborg. Un but partout. Et pourtant, l'Ajax aura l'occasion de prendre l'avantage sur ce coup franc de Chivu. Bon arrêt du gardien. Mais à voir la tête de Koeman, on va la revoir juste après ce ralenti sur ce coup franc de Chivu. À voir la tête de Koeman, un but partout, c'est un bon résultat, on l'a dit pour lui. Oui, pas pour eux.